Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, mon frère Zoku. Oui. Comment ça va la famille? Là, tu. Bon, attends, je vais. Parce que j'étais en train de suivre une émission là. Ah, d'accord, ok. Mais non, tu sais, bois quoi si c'est bois quoi si. Attends, je vais me réinstaller. Richard Kouamendri, bonjour mon frère. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Élisée Sabou. Yao. Yao, yao. Triple tes patrons. Merci pour les partages. On est combien sur la vidéo, s'il te plaît? Je ne vois pas de compteur moi ici. Moi, je vois à mon niveau, je vois 5 personnes. 5 personnes. Oui. Sache que tout ce que j'ai vu. Okay. Merci pour les cœurs, merci pour les pouces. C'est très gentil. Merci pour les partages aussi. Merci, 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 merci. Ça, c'est. Tu entends les parents douche? Pardon? Tu prends ta douche? Qui ça? Moi? Non. Ah, ok. Non, non, non. Je suis en train de chercher un endroit. Mon soldat Calbouré, il est là, ça je sais. Merci pour les likes, merci pour les cœurs, merci les gars pour les partages. Élisée Sagou, merci, Mais, merci, 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 merci à vous. parce que j'ai peur de sortir, de peur que ça ne bloque tout. Tu dis? Tu peux me rappeler le thème? Ah, le thème. Si tu cliques dessus, je crois. Ah non, tu es déjà sur le live. J'ai dit, nous sommes dans les derniers moments de réflexion, pour réfléchir et choisir son temps. Voilà le thème. Voilà, donc tu es prêt, c'est bon? Oui, attends, attends, attends. Je vais faire venir une chaise pour la boîte. D'accord. Daga Kalbouré, le cerveau. Comment ça va? Ça va très bien, j'espère que chez toi aussi. Merci pour le soutien, merci pour les ondes positives. Merci, merci, je les ressens ici. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous, les gars. Merci. On attend mon frère Zoku qui s'installe bien. Et puis, on va commencer à bailler un peu, un peu, un peu. Comme on dit chez nous. Ah là 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 là. Je suis de bonne humeur. Je suis vraiment content. Par Dieu merci. À tout ce que je vois actuellement dans le monde, là, vraiment, je suis trop enjaillé. Je suis enjaillé. Ouais. On ne s'est pas trompé. On ne s'est pas trompé, sincèrement, on ne s'est pas trompé. Et je suis d'autant plus fier parce que il y a des gens qui ont de gros diplômes, qui étaient loin à l'école aujourd'hui ne voient pas ce que nous on voit. Ils ne comprennent même pas. Ils sont dans une gamme parce qu'ils ont tellement été phagocytés, lavés dans leur tête là, qu'ils pensent que l'ancien monde là, ça va venir comme avant. Et eux, ils seront toujours des esclaves. Ouais. Même s'ils sont dans les châteaux, même s'ils ont beaucoup d'argent, ils sont toujours des esclaves dans leur tête. Contrairement à nous, qui sommes libres et qui aspirons vraiment à libérer tout le reste de nos frères et sœurs qui sont encore captivés, qui ont les chaînes dans la tête, en fait. Parce que les chaînes aux mains et tout ça, là, ça veut rien dire. Si ta tête est enchaînée, là, tout ton corps est enchaîné. Emmanuel Kouassi, bonjour, bonjour, bonjour. Lorraine Palou, bonjour maman, bisous à toi puis ta position. Merci pour le partage. Donc, c'est bon, tu es prêt? Oui, je suis prêt, je suis installé. Ah, ok, d'accord. Alors mon frère Zoku, voilà, aujourd'hui, je viens faire cette petite vidéo à midi rapidement, là, Kaba Kaba, parce que je me suis réveillé de très bonne humeur ce matin. Oui.
Il y a un moment, mais mon humeur est vraiment bien. Je suis vraiment bien. Il dit, bah, maman, comment tu vas? Et parce que je regarde le monde, je regarde les informations, j'écoute beaucoup, je fouille partout, je regarde. Et j'observe le comportement des pays et des nations en fonction de la situation actuelle. Et puis, dans mes recherches hier, je tombe sur une vidéo au Mexique. Je dis bien au Mexique. Le Mexique, qui est le voisin principal des États-Unis à partir de la frontière du Texas, l'État du Texas. Frédéric Olivier, comment ça va? Ah, depuis Ottawa, on vous salue. Et je vois le président mexicain qui fait un discours pour la première fois que je n'ai jamais. C'est-à-dire que pour la première fois, un président, à part Maduro, le président mexicain dit à son peuple sur il était sur un podium dans un meeting que, aujourd'hui, là, nous, les Mexicains, la façon dont les gens nous voyaient, là, c'est terminé. Hein. Aujourd'hui, là, on n'est pas les valets de qui que ce soit. On n'est pas les souffre-douleurs de qui que ce soit. On n'est pas là pour, être les gens que tout le monde domine ou bien que les gens, nos voisins, dominent. Et surtout, on voulait dire aux Américains que les foutaises d'avant, là, c'est terminé maintenant. Nous sommes fiers de ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes. Et plus jamais on va nous traiter comme avant. Il dit ça parce que, à une époque donnée, M. Donald Trump, pendant sa campagne, parce que les gars, vous les voyez, ils sont tous la même chose. Pendant sa campagne, je vais mettre un mur entre le Mexique et puis les États-Unis. Genre, et il a dit même que les Mexicains, c'est des bandits, c'est des voleurs. C'est... De toute façon, on parle des Noirs et des Arabes en France. C'est comme ça. Lui, il parle des Mexicains et des Sud-Américains aux États-Unis. Ils veulent traverser notre frontière, le même langage. Ils veulent venir nous envahir, ils vont violer nos femmes, ils vont faire des... Donc, les gars, les Mexicains, quand tu es aux États-Unis, parce que moi, je connais, je sais de quoi je parle, les Mexicains sont vus de la même façon qu'on voit les Arabes et puis les Noirs ici. Donc, le discours du président du Mexique, qui dit que c'est terminé maintenant tout ça là, vous ne posez pas la question de savoir pourquoi aujourd'hui il parle comme ça. Vous ne vous posez pas la question pourquoi aujourd'hui, Pepero des États-Unis aujourd'hui, il s'élève et puis il bouche, il aboie, sur l'ancien patron. Il y a une bonne raison. Il y a une très bonne raison. Les gens ont vu dans le ventre de la pile. Les gens, ils ont été dans leur... parce que je ne fais pas un discours anti-américain ou bien anti-États-Unis, non. Je parle de faits. Je parle de faits. Parce que les gens, des fois, quand on leur rappelle leurs faits, ils disent qu'on est contre eux. Ils disent qu'on ne les aime pas. Parce qu'ils n'aiment pas entendre les saletés qu'ils ont faites. Ils n'aiment pas ça. Ça, ils ne veulent pas qu'on leur rappelle les saletés qu'ils ont faites. Mais par contre, ils peuvent rappeler pour tous les autres. Mais dommage, le monde, là, c'est comme ça. Chacun, maintenant, a fait des choses et chacun va entendre ce qu'il a fait. Donc, on dit aujourd'hui, les Américains, ils ont exterminé les Amérindiens dans leur histoire. Oui. Ils ont exterminé tout un peuple. Le pire génocide même de l'humanité, c'était là-bas. Le pire génocide. Les gars, ils ont fait ça. Et c'est un fait. C'est pas quelque chose que j'invente ou bien que... Non, c'est un fait. Rien que ça. J'ai même pas encore parlé de l'esclavage. Hein. Des esclaves qui sont arrivés là-bas pour travailler dans les plantations qui ont participé à l'évolution, à la grandeur de l'Amérique, avec leur sang et leur sueur. Je parle même pas de ça. Et maintenant, vous êtes fort. D'accord, ok. On laisse passer l'histoire. Vous êtes devenu aujourd'hui puissant, parmi les plus grands, les plus grands du monde. Bien, le plus grand du monde. D'accord, ok. Oui. Maintenant, Sergueï Choigou, comment ça va la famille? Vous, du haut de votre piédestal, vous décidez maintenant que le monde doit tourner autour de vous. Vous décidez que le monde doit fonctionner comme vous le souhaitez, comme vous le voulez. Dans un pays, par exemple, comme l'Irak, le président ne vous plaît pas. Vous êtes allé casser tout là-bas, tuer des gens. En Afghanistan, vous êtes allé intervenir. On va pas encore citer toute l'histoire, mais une chose est sûre, les États-Unis sont vus comme le pays qui décide. Et puis qui fait
depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qu'on a vu. Donc, ce qui fait que beaucoup de pays qui étaient plus petits, plus faibles, sont restés en bas, sont restés les petits, quoi. Si les États-Unis disent, par exemple, comme ce qui s'est passé avec Salvador Allende, allez chercher dans Google, vous allez voir qui c'était Salvador Allende. Président du Chili, je crois. Voilà. Il ne nous plaît pas. On vient matin, on le bombarde, comme on a bombardé Gbagbo. On le bombarde. Ouais. On tue ces gens. Lui-même, on le tue aussi. Lui, maintenant, on met qui on veut là. Parce que on est les plus forts. Parce qu'on décide. Parce que c'est nous. Devant le Créateur, aux États-Unis, on dit « In God we trust ». « In God we trust ». « In God we trust ». En Dieu, nous avons confiance. En Dieu. Vous pensez que quand vous faites des choses comme ça, là, le bon Dieu, là, lui, il est d'accord? Quand vous avez la force et que, fort de votre puissance, vous pouvez dicter ce que vous voulez à tout le monde comme vous voulez tout le temps, il n'y a pas un être humain sur cette terre-là. Il n'y a pas un peuple. Il n'y a pas un groupe qui a réussi à faire ça pendant 1000 ans. Ça n'existe pas. Il y a une apogée pour un peuple, et puis un jour, il y a la décadence. De Beaudeguy, bonjour, bonjour, bonjour. C'est toujours comme ça. Vous avez fait ça, vous avez dominé, vous avez écrasé, vous avez décidé, vous avez tout. Jusqu'à même dans ces pays-là, vous ne reconnaissez pas ça, mais quand ces pays prennent une décision qui vous arrange, vous dites, ouais, bravo, on applaudit. C'est-à-dire que les gars, la puissance les a rendus presque fous, je veux dire quoi. Parce que même là, fils du soleil, triplotez pas toi. Pour aller aux États-Unis, par exemple, façon va te demander les papiers. Façon va te demander des garanties, des choses. Des fois même, tu fais une vidéo, même qu'il ne leur plaît pas sur Facebook, ils peuvent te refuser le visa à cause de ça. Les gars peuvent te... Non, tu viens pas chez nous c'est bloqué. Façon, les gars verrouillent leur truc là. C'est leur droit. Véronique, à ce moment, bonjour. C'est leur droit. Mais quand c'est eux qui sont moi ailleurs, par contre, leur passeport là, partout, ils peuvent rentrer comme ils veulent. Ils peuvent aller faire les affaires, ils peuvent aller faire tout ce qu'ils veulent, le tourisme, tout ce qu'ils veulent sans problème. Mais le contraire pour venir chez eux là, c'est dur. On est d'accord avec ça? Il n'y a pas de problème parce que chacun fait ce qu'il veut chez lui. Parce que les petits là, chez qui les gars vont comme ils veulent, ils n'avaient pas le choix. Oh. Si jamais tu bloques, Joe, on va te taper des mains. On va te taper des mains. Mais aujourd'hui, où on parle? En fait, ça a commencé depuis longtemps. Mais les gens ne se sont pas rendus compte que le Maroc était le plus fort, le plus puissant, le plus gros, le plus lourd. Il avait commencé à devenir léger. Ça a commencé avec le Venezuela. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Affaire de Gaiden ou bien comment il s'appelle là. Guaido contre Maduro. Là. Un petit bouc là qui s'élève, lui dit il est président du Venezuela. Parce que les États-Unis ont décidé. Parce que les États-Unis ont décidé avec la communauté internationale. Il y a un retour là, je ne sais pas si c'est les baffes chez toi, Zoku. Et comme ça va? Attends, allô? Ouais, c'est bon, là c'est bon. Oui, oui. Voilà, c'est bon maintenant. Ah bon. Quand je dépose sur le support, je crois que c'est ça. Ah d'accord. Donc, les gars, il a commencé à avoir des troubles au Venezuela à cause du pétrole du Venezuela. On a commencé à voir des gens, une opposition bizarre qui s'élève là, le même schéma qu'en Libye, le même schéma qu'en Côte d'Ivoire, le même schéma que dans tous les pays où il y a eu des troubles et puis à la fin, il y a eu un changement de pouvoir. Et même en Ukraine, c'est pareil. Le même schéma, toujours des gens, des taupes à l'intérieur qui sont aidés par les ONG, les fameuses ONG, qui reçoivent de l'argent, les armes et les décisions. Et les gars font ce qu'ils ont à faire. Alexandre Kofi, bonjour mon frère. Ça a toujours été le même schéma, toujours. Et ça a toujours fonctionné. Mais ils sont tombés sur un os au Venezuela où, après Chavez, qui avait inculqué à son peuple la culture du combat, la culture de la dignité, de l'honneur, Hugo Chavez, il a fait beaucoup pour le Venezuela. Il leur a donné cet amour de la patrie-là.
cette volonté d'indépendance, il leur a donné ça. Donc les gars, quand il est mort, il a passé le flambeau à Maduro, il a continué la même chose parce que lui, il a compris la vision, il a compris la direction, il a compris la politique, il a compris... attendez, qui m'appelle en vidéo? Il a compris tout ça et il a continué le travail. C'est pour ça qu'on dit chez nous en colonie, là, les leaders politiques, là, au lieu de chercher à être aimés, à être chuchotés, à être adorés, à être mis sur les pieds des stalles et tout ça, là, oh, lui, là, c'est mon champion. Non, apprenez à vos, je ne veux pas dire suiveurs, mais à vos populations, là, vos visions. Apprenez-leur le combat. Apprenez-leur vraiment à réfléchir comme il faut, à garder la flamme si vous n'êtes pas là. Pour que demain, si vous n'êtes pas là, le combat puisse continuer pour atteindre cette liberté qu'on cherche depuis longtemps. Voilà ce que les gars ont fait. Avec ça seulement, sans l'apport de la Russie ou bien de qui que ce soit, vraiment sur le plan matériel, les gars, ils ont tenu, ils ont contenu leur petite pseudo-révolution là. Le Guaido, là, un jour même, l'a attrapé dans Baki, ils l'ont frappé correctement. Depuis ce jour-là, il a disparu, on n'entend même plus parler de lui. Pourtant, à une époque donnée, il avait été reçu à l'Élysée, il a été reçu au 10 Downing Street, c'est-à-dire chez le Premier ministre anglais. Il a été reçu à la Maison Blanche. Comme quoi, c'est lui on reconnaît comme président du Venezuela. Bluffé. Bluffé, comme on dit chez nous. Les gars, ils l'ont corrigé copieusement. Aujourd'hui, le gars, on ne sait même pas où il est. On ne sait même pas. C'est fini pour lui comme ça. Et le Venezuela est toujours le Venezuela. Et même pire, quand il y a eu la crise en Ukraine et que le pétrole a commencé à manquer, les gars ont commencé à avoir des problèmes de ravitaillement et tout ça, les États-Unis n'ont pas eu honte d'aller discuter avec essayer de causer avec le président vénézuélien. Il y a même une vidéo, si vous vous souvenez bien, de Macron qui a croisé Maduro d'un couloir dans une réunion quelque part dans le monde là. Et puis maintenant, il a dit à son aide, d'habitude, comme il aime taper sur les gens, il aime taper sur l'épaule des gens. Il a déjà Maduro déjà fait 2 mètres, il est gaillard comme ça. Donc il a eu des problèmes pour atteindre le gars. Et puis le gars a gardé la distance. Et puis il a dit oui, il faudrait qu'on se rencontre, machin, pour discuter. Alors que Macron était un des premiers à dire que non, Maduro n'est pas légitime, il n'est pas légal. Vous savez ce que Maduro a dit? Il dit, mon ami, il faut parler avec mon ministre de temps en temps. Hein. Moi, j'ai pas le temps. FaceTime, mondial, vidéo, bah! Le gars, il a répondu que ça. Non, moi, tu me vois pas. Tu me reconnais depuis quand? Tu me reconnais depuis quand? Mais ça, là, vous n'allez pas voir sur TFM, hein? Vous n'allez pas voir sur BFM, vous n'allez pas voir sur LCI, vous n'allez pas voir sur Canal+. Vous n'allez voir ça nulle part si ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Parce que tout le monde filme. Tout le monde a son petit téléphone, tout le monde filme les choses. Je vous parle de ça parce qu'il y a une influence, il y a quelque chose qui est en train de changer devant vous. Pour beaucoup, ils ne voient pas. Et ils continuent de faire les mêmes bêtises, les mêmes erreurs, à s'enfermer dans un truc alors qu'il y a une porte ouverte pour être libre aujourd'hui. Il y a une porte ouverte pour être libre aujourd'hui, afin de changer tout. Mais alors là, du jour au lendemain, de toute façon, le Koweït, mais ça a changé comme ça à l'époque, mais c'était avec l'aval des Américains. Mais de toute façon, le Qatar a changé en 25 ans. En 25 ans, de toute façon, le Qatar a changé du désert à ce que vous voyez aujourd'hui, là, Dubaï. Et encore même toutes ces constructions, même peut-être c'est 15 ans. C'est 15 ans. 15 ans. C'est quoi 15 ans? Tu as 15 ans aujourd'hui en Côte d'Ivoire et puis... À 30 ans, la Côte d'Ivoire ressemble maintenant à ce que tu vois au Qatar. Ça te dit rien. Et ça, ça s'est passé il y a 15 ans de cela. Imagine aujourd'hui avec les nouvelles technologies, ça diminue de 5 ans. C'est-à-dire que dans 10 ans, on est libre. On a le choix de faire ce qu'on veut. On discute avec qui on veut. Nos richesses, on les échange avec le prix que nous décidons. On fait tout ce qu'il faut avec les nos intelligents qui sont partout dans le monde. Là. On rattrape notre retard comme ça. Facilement. Je dis pas sur le plan de ressembler à la société occidentale, non, mais que au moins nos populations soient à l'aise. En moins de 10 ans.
les gens vont venir, les mêmes intelligents qui ne voient pas ce qui arrive, ou bien qui n'ont même pas vu. Parce que ce que je dis aujourd'hui, là, il y a au moins 5 ans que je le dis. Je ne sais pas si ceux qui regardent mes vidéos se souviennent. Je vous ai dit, c'est la fin d'un monde et le début d'un autre. Pour ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos, est-ce que ce que je dis, je mens? J'ai dit, vous allez assister à la fin d'un monde et au début d'un autre. Vous allez assister à l'éveil en Afrique d'une jeunesse, de nouveaux jeunes qui vont avoir la dignité, l'honneur de leur patrie d'abord et qui vont foutre dehors tous les vieux cons. Là. Je ne vous ai pas dit ça. Vous ne vous souvenez pas? Quand vous voyez Assimi Goïta aujourd'hui, il a quel âge? Quand vous voyez le petit Traoré aujourd'hui, il a quel âge? Quand vous voyez Doumbouya, il a quel âge? Quand vous voyez le président de la Centrafrique, il a quel âge? Quand vous voyez tous ces gens-là, et encore, ce n'est que le début. Regardez Sonko. Regardez les gens. Oh, regarde. Le monde est en train de changer. Ah, Zoku, tu peux parler, tu peux dire. Hein? Non, là, j'ai rien à dire, sinon que c'est une constante, hein, pour ceux qui suivent tes vidéos. C'est une constante. Le monde change de pôle. Tu l'as dit. Tu le dis souvent, hein? Ah oui, parce que pourtant, je n'ai pas fait Harvard, hein. Je n'ai pas fait Cambridge, je n'ai pas fait la Sorbonne, je n'ai pas fait ces grandes écoles de gros papier, l'ENA ou bien, Sciences Po, je n'ai pas fait tout ça. Là. Je ne connais même pas même papier de ça, là. Je ne connais pas. Mais je ne suis pas bête, je suis intelligent. Je vois clair dans le film, je vois clair dans les mouvements. Quand j'observe comme ça, là, je vois où on s'en va. Je vois où le monde s'en va. Le monde s'en va dans une position où il y aura toujours l'ancien monde qui est là. Mais seulement l'ancien monde, son handicap, c'est quoi? Parce qu'il faut aller avec tout ça. L'handicap de l'ancien monde, c'est son histoire. Black Modo, hey, comment tu vas, mon fils? Big up à toi, puis ta position. Big up à toi, puis ta position. Respect. L'handicap de l'ancien monde, là. Parce qu'il faut parler de ça. C'est l'handicap de l'ancien monde aujourd'hui qui le fatigue. C'est-à-dire que aujourd'hui, il se rend compte, quand je parle d'ancien monde, France, États-Unis, Angleterre, tous ces gens qui ont pris le monde là. Aujourd'hui, ils se rendent compte que Joe, ils ont trop maltraité les gens dans le monde. Eux-mêmes, ils ont conscience de ça. Ils ont trop maltraité les gens dans le monde entier. Ils sont à la base de trop de conneries dans le monde entier. Ils savent ça. Mais comme ils avaient la force, ils avaient le pouvoir de le faire et l'argent. Ils ont fait maintenant, aujourd'hui, où ils ont besoin maintenant des plus faibles, des plus petits, pour les accompagner maintenant dans le combat contre les deux gangabas qui se sont levés là, qui sont la Chine et la Russie. Les gars, maintenant, ils sont en train de danser. Et puis nous, maintenant, les petits, là, on les regarde et puis on rit. C'est comme si, par exemple, vous voyez dans le quartier, les petits groupes des enfants là, ils sont maltraités par un loubar. Depuis des années, le gars les frappe, le gars viole les petites filles, il fait tout. Et puis un jour maintenant, il y a un autre gaillard qui arrive dans le nouveau quartier, tout ça là. Et puis le gaillard là, il s'y inscrit et puis il appelle les enfants là. Les enfants, venez. Voilà, chewing-gum, voilà, ballon pour jouer, ballon. On dit quoi, ça va ici dans le quartier. Et puis les enfants, non, il y a un grand, il nous fatigue toujours. Et puis maintenant, il se calme, il regarde le gars comme ça, puis il dit, si tu touches à mes enfants là, tu vas voir moi aujourd'hui. Donc imaginez les enfants maintenant, ils sont assis là. Ils ont été maltraités par l'ancien Louba, lui qui était là depuis là. Et puis maintenant, il y a un nouveau qui est là. Et puis, ils vont réfléchir à savoir vers qui ils vont aller. Où on les a frappés. C'est-à-dire que celui qui les frappait là, lui aujourd'hui maintenant, il vient devant eux. Hé, hey, les petits, vous voulez bonbons? Vous voulez quoi même? Dites-moi ce que vous voulez, je vais vous donner. Les petits, depuis quand tu es gentil à nous? Depuis quand, toi, aujourd'hui, tu te soucies de nous? Quand vous voyez aujourd'hui les Américains se promener aux États-Unis, faire le tour, venir aux États-Unis, en Afrique, faire le tour de l'Afrique. Pour la première fois, moi, je vois un truc bizarre comme ça. Ouais, ils sont vont voir les chefs d'État, ils viennent s'asseoir jusqu'à bon point de thé avec les gens. Depuis quand? Pourquoi? Par rapport à quoi? Et même dans ça, là, il y a foutaise encore jusqu'à il y a foutaise. Vous avez des milliards de dollars à donner à l'Ukraine et au Congo, où il y a même guerre, où il y a même cafouillage, où il y a encore plus de morts là. Les gars,
mais ils n'en parlent même pas, ça ne les intéresse même pas. C'est pour vous montrer encore que dans la démarche même de faire semblant de s'intéresser à l'Afrique, il y a du mépris encore dedans. Vous voyez les vrais problèmes qui sont là, hein. Mais les gars ne regardent pas. Vous regardez, vous parlez de démocratie, démocratie, démocratie. Les gars parlent de démocratie. Même France, Angleterre, les mêmes, ils parlent. Ouais, la démocratie. Au Sénégal, tout près, là, la démocratie est en train d'être violée tous les jours par Macky Sall et ses camarades. Les opposants sont maltraités. Jusqu'à on attend à leur vie même. Qui parle? Américain a dit quelque chose? Français a dit quelque chose? Les gens ont dit quelque chose? Non? Ils regardent de nous, ils s'en foutent, ils s'en battent les couilles. Non, c'est l'Ukraine. Ah, les Ukrainiens, ils souffrent. Ouh, l'Ukraine, c'est chaud. Ouh, là-bas, c'est la démocratie. Et les méchants russes sont rentrés. Et puis, ils ont envahi l'Ukraine. Ah bon? Quand vous êtes rentré en Libye, là, pour envahir la Libye, là. Quand vous êtes rentré en Irak pour envahir l'Irak, là, vous avez oublié que vous avez fait ça parce que vous avez le pouvoir de le faire. Ben, Poutine, il fait la même chose parce qu'il a le pouvoir de le faire aussi. Et aujourd'hui, maintenant, ça vous dérange. Ça vous fait mal. Ça vous fait un truc. Vous êtes fâché aussi. Au lieu d'aller combattre contre lui, non, vous ne combattez pas contre lui. Hein. Vous tournez autour du pot. Ça danse, ça danse, ça danse. Allez combattre directement puisque vous êtes fort. Non, vous ne combattez pas parce que vous savez ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas bien. C'est pas bien, c'est franchement, c'est mauvais parce que essayer de garder toujours le monde dans cet aspect-là où c'est toujours vous qui devez décider, toujours vous qui devez sanctionner. Parce que voilà un truc encore. Ils sont pas d'accord avec quelqu'un, on va faire sanction. À l'ONU, résolution. À l'ONU, sanction, sanction. C'est toujours vous qui décidez. Il n'y a pas quelqu'un qui a sanctionné un jour les États-Unis ou bien sanctionné la France ou bien sanctionné l'Angleterre par rapport à quelque chose qu'ils ont fait de mal. Pourtant, si on veut bien voir dans la trame historique, là, qui a fait ça dans les autres peuples, on connaît? Oui. On connaît? Il n'y a pas de discours de là? On connaît? Les gens même parlaient que oui, la Shoah, les Juifs ont été massacrés à Auschwitz, machin truc. Mais avant la Shoah, là, est-ce que vous savez qu'il y a eu la Namibie? Les mêmes soldats allemands, les mêmes soldats allemands en Namibie, ce qu'ils ont fait en Namibie, là. C'est même Auschwitz, là, c'est petit. Qui en parle? Qui en parle? Historiquement, le camp de l'Occident est le camp qui doit faire profil bas aujourd'hui. C'est le camp qui doit commencer maintenant à s'excuser, à demander pardon même au peuple qu'ils ont maltraité. S'ils veulent avoir une chance, s'ils veulent avoir une chance que les gens leur ouvrent encore les bras. Parce que normalement, quelqu'un qui est intelligent, quand il voit que d'un côté, il y a quelqu'un qui l'a frappé, qui l'a maltraité, qui lui a fait les pires choses, et puis de l'autre côté, il y a quelqu'un qui ne connaît peut-être pas, mais qui ne lui a jamais rien fait, mais qui est prêt à discuter avec lui. Joe, l'intelligence, il n'y a pas besoin de trop réfléchir. Tu sais normalement quand tu es intelligent, tu vas. Et c'est ce qui est en train de se passer au fur et à mesure dans le monde. Oui, mon frère. Le frère Bois Kouassi, pour confirmer tes dits, tu as dit tout à l'heure que... il y a eu la Shoah, mais bien avant cela, il y a eu des massacres en Namibie et personne n'en parle. Oui. Voilà, donc là j'apporte un petit... ...de Lyotard von Trott, c'est-à-dire sans doute un officier allemand, dans le sud-ouest africain, c'est-à-dire la Namibie, à partir de 1904, est considéré comme le premier génocide du XXe siècle. Ah. Voilà. Continue. C'était pour apporter cette donnée. La touche factuelle avec les données historiques. Oui. Voilà, merci beaucoup. Donc, je ne parle pas dans c'est quand même étonnant que les maîtres de la discipline scientifique histoire ne mentionne pas que le premier génocide du XXe siècle, c'est le massacre des Herero et des Nama. Voilà. Parce que la Shoah, si je ne me trompe pas, elle a eu lieu dans le même XXe siècle. Oui, oui. Voilà, c'est quand même étonnant qu'on laisse le tout premier génocide du XXe siècle pour concentrer toute l'attention, se focaliser sur la Shoah. Voilà, donc continue. C'était tout juste pour apporter ça. Voilà. Donc, historiquement parlant, Zokou Malay
Guy vient de vous donner un point bien précis que vous pouvez retrouver dans tous les livres d'histoire, enfin, les livres d'histoire, sur Google, parce que les livres d'histoire ne parlent même pas de ça. Oui. Vous comprenez? Merci Élisée Sagou. L'Occident a un casier judiciaire très, très, très chargé. Il s'est piégé lui-même. Et c'est une vérité aujourd'hui. Et je ne peux pas admettre qu'aujourd'hui, nos pseudo-intellectuels, nos pseudo-leaders puissent rester silencieux devant ce changement qui est en train de s'opérer. Sincèrement, aujourd'hui, j'ai des problèmes pour de voir même Ouattara, je m'en fous, parce que lui, c'est ce qu'il est. Mais nos opposants, le président Bédié, le président Gbagbo et tous les autres, là, ne pas dire ouvertement que le monde change à leurs militants. Je me pose des questions, je ne comprends pas. Parce que tout est fait à demi-mobile, c'est les deuxièmes couteaux qui parlent. Non, on veut voir les leaders maintenant commencer à s'exprimer sur ce fait-là pour que les jeunes qui les suivent là, puissent comprendre vraiment. Parce que quand nous, on parle, on dirait on parle dans le vent. Fian, Libio, bonjour, ma soeur. On dirait que nous, on parle dans le vent parce que c'est important. Beaucoup de choses qu'on dit ici, là, quand c'est quelqu'un d'autre important qui dit la même chose 2 ans après, on dit, ouh, vous avez entendu ce qu'il a dit? Hii, vraiment, alors que nous, on a dit ça depuis longtemps. On l'a dit depuis longtemps. C'est clair. Mais comme c'est nous, là, c'est pas important. On va être 12 sur les lives, on va être 11, 15, un truc comme ça. Voilà. Mais quand c'est eux qui parlent, il y a plus de poids. C'est-à-dire, sur ce point, le petit additif que je peux faire, c'est de dire que de tous les leaders d'envergure ici en Côte d'Ivoire, de façon factuelle, il n'y a que Koulibaly Mamadou qui a clairement indiqué le deux poids, deux mesures, la suprématie, comme on appelle, basée sur les abus de l'Occident. Il n'y a que lui qui le dit très clairement. Ouvertement et clairement. Ouvertement, de façon factuelle. Voilà. Gbagbo, au moment où il luttait, au moment où il luttait contre la rébellion, au moment où on était au plus fort de la crise post-électorale, il le disait clairement. Mais depuis sa sortie de l'AE, il ne se renie pas. Mais comme tu le dis, il le dit par sous-entendu, ça c'est un. Oui. Ou deux, il le dit comme tu le dis à travers les seconds couteaux. Voilà. Alors que logiquement, comme tu le dis, on voudrait l'entendre. Parce que toi, tu n'es qu'un jeune Ivoirien patriote qui, entre les heures, au moment des pauses, prend son temps pour essayer de sensibiliser ceux qui peuvent l'écouter. Donc, on ne comprend pas comment Gbagbo, qui a été confronté à la chose de façon directe, qui a vécu l'adversité, qui a vécu a vécu dans sa chair et de façon directe les injustices, cette salade. Voilà, on ne comprend pas pourquoi, pendant que les enfants en parlent, lui-même il ne sort pas pour multiplier par 4, parce qu'une seule de ses phrases va multiplier. On va dire, ah, donc les enfants sont dans le vrai. Il suffit que lui donne sa validation, ça prend une autre envergure. Exactement. Voilà, bon, mais écoute, on va... C'est un vieux père, il a suffisamment enduré. Combien d'années de prison? On espère que c'est tactique et qu'au moment de la fête de la Renaissance, là, qui aura lieu à la fin de ce mois, il va envoyer des signaux clairs. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Donc, Boakwasi, je te laisse poursuivre. Mais il n'y a pas que le président Gbagbo, il y a le président Bédié aussi. Oui. Il y a le président Bédié aussi, c'est pareil. C'est clair. Et vraiment, nos frères du PDCI, excusez-nous. On n'est pas dans les offenses, dans l'invective, mais on essaie d'être factuel. Bédié, sur le terrain de la rupture avec l'Occident, il est carrément absent. Il est carrément absent. On lui fait la cour parce qu'on a besoin de ses militants pour créer le surnom face aux abus de Ouattara. Mais il est carrément absent. Mais pas voilà, je te laisse lui, continuer. Il n'y a pas que lui. Il y a tout le PDCI en entier. Eux tous, ils vont venir te dire que non, on doit faire doucement parce que tu sais que les gens là, ils sont dangereux, ils sont forts. Oui. Donc, vraiment, on peut pas tout dire comme ça. Mais les gars, sincèrement, on en a marre des gens qui ne peuvent pas exprimer ce qu'ils pensent vraiment. Parce que ce qu'on se dit dans nos salons en douce, là, ayez le courage de dire ça ouvertement aux gens. On sait que beaucoup de jeunes du PDCI, ce que nous on dit là, ils pensent ça.
Mais aucun n'a les couilles pour dire vraiment ce qu'il pense. Ça, là, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, où nous sommes là, où maintenant l'équilibre est en train de s'établir, où on a le choix d'aller à gauche ou bien à droite, à un moment donné, il faut s'affirmer. Parce que c'est ça qui fait qu'on a l'impression que le combat met du temps, ça dure, c'est compliqué, on ne comprend pas, parce que les gens ne peuvent pas se décider. Ils sont encore en train de se tâter de dindin. Si la France va se lever, si les États-Unis vont nous attaquer, ou bien les gars vont nous envoyer des agents secrets pour nous tuer, ou bien les gars vont nous mettre en prison, ils sont dans cet état. Alors qu'un simple mot du PPACI, du PDCI, pour dire que le monde est en train de changer, on ne dit pas forcément de prendre les Russes, on ne dit pas forcément de prendre l'Iran, ou bien de prendre le Pakistan, mais je ne sais pas quoi, pour dire que ce sont nos alliés. Non, on dit simplement d'ouvrir la bouche pour dire que, par exemple, monsieur de Paris, monsieur de l'Élysée, là. Nous sommes conscients que pour le moment, nous ne sommes pas un pays, on est une colonie. Parce que c'est toujours vous qui avez la même mise sur tout ici. Vous avez une armée qui est là, qui nous dérange. Si vous voulez qu'on ait encore des rapports cordiaux, amicaux, vos soldats, là, n'ont qu'à quitter là. On n'en a pas besoin. Ils sont quittés au Mali, là-bas. Le Mali n'est pas tombé dans le feu ou bien dans quelque chose, ils sont pas quittés, je parle en ivoirien, ils sont quittés au Burkina. Le Burkina n'est pas tombé dans, je ne sais pas dans quoi, dans la GN ou bien comment les gens appellent ça. Ils peuvent quitter aussi en colonie ivoire et puis la Côte d'Ivoire ne va pas s'écrouler. Parce que les Ivoiriens ne sont pas des sauvages. Les seuls qui vont s'inquiéter, c'est ceux qui mentent, ceux qui volent, ceux qui maltraitent les peuples ivoiriens. Ceux qui ne respectent pas la loi et la constitution, c'est eux peut-être qui vont s'inquiéter. Sinon, l'Ivoirien lambda, là, lui, il n'a rien à craindre. Il n'a jamais provoqué un djihadiste en griffe. Ils ne sont jamais allés insulter la tombe de Mahomet à la Mecque pour dire que les frères d'islamistes vont venir attaquer la Côte d'Ivoire. Il y a plein de musulmans en Côte d'Ivoire. Il y a plein de gens. Donc, on n'a pas à craindre de ces soi-disant terroristes, là. On n'a rien à craindre d'eux. Si les terroristes veulent aller quelque part, là, c'est pas en Côte d'Ivoire qu'ils vont aller. Parce que c'est pas la Côte d'Ivoire qui a bombardé l'Irak. C'est pas la Côte d'Ivoire qui a bombardé l'Afghanistan. C'est pas la Côte d'Ivoire qui a bombardé le Yémen. C'est pas les Ivoiriens qui ont fait ça. Donc, les terroristes, là, s'ils sont normaux, normalement, s'ils sont intelligents et que ils savent vers où aller, ils savent à qui ils ont affaire. Mais c'est pas aux Africains, mais on a réussi à faire avaler ça à des intellectuels africains, ivoiriens, qui ouvrent leur grande gueule, qui pue là, parce que cela, il m'énerve tellement, pour dire que non, c'est normal que l'armée française soit là, parce qu'il y a les terroristes qui vont attaquer la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que les gars, même, ils, honteusement, mais je sais pas comment je vais dire, si c'est stupidement ou bien, mais eux, dans leur tête, là, ils ont réussi à avaler que il y a des terroristes qui guettent les Ivoiriens. Mais, c'est le plus gros mensonge qu'on met pour installer une base militaire. Oui. C'est le prétexte, c'est tout. Mais des gens qui sont allés loin dans les études, aujourd'hui, ils essaient de nous faire, ils essaient, quoi. Je ne sais pas pourquoi, si c'est nous, là, vraiment, les réels, et puis ils rient. Mais il y a des gens qui vont vous dire ouvertement, mais qui vont faire des postes pour dire que c'est normal que l'armée française soit là. Ouattara a bien fait de donner la terre de nos ancêtres à ces gens-là, pour qu'ils nous surveillent. Okay? On ouvre encore une autre base à Jacquesville, parce que vraiment, actuellement, le problème du terrorisme, là, c'est important. Mais je m'assois, puis je regarde ces gens-là, puis je dis, mais est-ce qu'ils sont normaux? Et ils ne sont pas normaux, ou bien c'est des malhonnêtes, ou bien ce sont des malhonnêtes qui ne pensent qu'à leurs intérêts personnels et qui cautionnent ce genre de mensonges, ou bien ce sont des gars qui sont nalomans. Il n'y a rien dans leur tête. C'est l'eau avec un vilain petit caillou. Quand on fait comme ça, ça fait colo-colo, colo-colo, colo-colo. Parce qu'il n'y a rien d'autre que de l'eau et puis un vilain petit caillou. Et que ce qu'ils ont connu, c'était les livres qu'ils ont bu par cœur. Boileau, ce qu'on appelle Boileau. Ouais. Ils ont appris des formules par cœur. Ils ont passé des exercices, des concours. Et puis, ils ont eu les concours. Mais dans le fait de s'asseoir. Et puis maintenant, analyser une situation, la décortiquer et trouver la solution. Parce que c'est ça l'intelligence. Tu fais face à un problème.
tu l'analyses et tu trouves maintenant les solutions pour pouvoir soit contourner, soit régler, solver le problème. C'est tout. Mais on ne peut pas accompagner la stupidité, l'idiotie, le mensonge en ayant été à l'école longtemps et en se disant intelligent. Merci Samy Loi, tu as bien... Oh, Joe. Mais c'est la vérité. Des malhonnêtes. Et c'est eux, ils vont parler de Dieu, toujours. Dieu, Dieu, j'ai juste la Bible. Dieu, oh là là, pour vous dire que même l'histoire de religion, là même, à un moment donné, je m'assois puis j'ai dit, mais les gens, les religieux, là même, c'est des gars même, on dirait qu'ils n'aiment pas la vérité. Les religieux, là. Du moins, quand je dis les religieux, c'est-à-dire ceux qui bavardent, Dieu, 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 là. C'est ceux-là que j'appelle ouais, les évangélistes, les pasteurs. Ils récitent les versets de ceci et tout ça par cœur, qu'ils connaissent. Les chefs de culte. Voilà, les chefs de culte. Là. Mais pour moi, aujourd'hui, quand j'entends aucun, parce qu'on parle de Babou, on parle de Bédier, mais quel est le chef religieux qui a le discours de vérité que nous avons? C'est lequel? Il y a un qui l'a fait à moitié. Un jour, l'archevêque Coutouan, oui, au cours d'une messe où Alassane, oui, était, Alassane était présent, il lui a demandé de libérer les prisonniers qui lui a eu suite à la désobéissance civile. Mm-hmm. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Et c'est arrivé. Donc, je vais dire, il a récidivé, rien. Il a refait. Non. Il a fait ça et de temps en temps. Voilà pourquoi je dis à moitié, parce que c'est quelqu'un d'assez mitigé. Il a été très controversé un moment pour ses attitudes complaisantes avec Ouattara. Arrivé un moment, il a dit cette vérité. Ben voilà où je dis, les religieux, là, c'est des gens qui sont ambigus, qui sont bizarres, qui n'aiment pas la vérité. Non, si tu veux, pour enchaîner sur ce que tu dis, les religieux et les intellectuels, voilà deux catégories pour lesquelles on a un peu trop agrandi leur image. Finalement, on se rend compte que quoi? Ils cherchent leur mangement, comme on dit en français ivoirien. Ils cherchent leur mangement. Nous, on les a mis un peu au-dessus de ce qu'ils sont. C'est-à-dire, il y a une différence entre un emploi et une cause. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous tous, on est condamnés à avoir notre gagne-pain. Donc, c'est dans ce cadre de gagne-pain-là, il y a des gens qui ont appris, qui se sont donné des années d'études dans l'espoir d'avoir au final un emploi et puis nourrir leur famille. Ça s'arrête là. Il y a aussi des gens qui aiment les choses religieuses par goût. Ils se sont donné le temps d'aller sur une formation théologique, tout. Et au final, c'était pour avoir une fonction, un emploi, pasteur, un peu du fonctionnariat, du salariat et pour avoir leur gagne-pain. Il ne milite pas forcément pour une cause. Voilà pourquoi j'ai dit il y a la cause et puis il y a l'emploi. Quand quelqu'un est là pour une cause, il a un comportement différent. Regardez par exemple Lilian Thuram. Bon, je fais une digression, mm-hmm, c'est un footballeur. Mm-hmm. Mais il s'est donné le temps parce qu'il est motivé par la condition de sa race. Il a même écrit des livres. Lilian Thuram, tout footballeur qu'il a été, quel temps il avait pour faire des formations académiques. Mais quand il a arrêté le foot, il s'est cultivé, il propage le message, il sensibilise, il écrit des livres, tout et tout, même Kémy Séba. Oui. Il n'a pas fait de très grandes études. Oui. Mais il s'instruit sur l'histoire de sa race, il fait des publications. On sent que lui, c'est une cause. Il est là pour une cause. Oui. Bon, chemin faisant, on lui donne les moyens, sans doute, les cotisations et tout ça. Mais c'est la cause, on sent la cause. Alors que chez les autres, non, c'est un emploi. C'est-à-dire, il allait à l'école là. C'était dans l'optique d'avoir un emploi pour nourrir sa famille. Ça s'arrête là. Donc nous, à partir de ce que tu dis, évitons de grandir ces gens-là. C'est-à-dire, on leur donne une mission que eux-mêmes ils se reconnaissent pas. Ben oui. Dès que tu vois un pasteur, tu te dis que oui. C'est l'ami de Dieu. C'est l'ami de Dieu. Voilà. La puissance. L'ancien voilà. Est sur lui. Lui là. L'ancien est sur lui. Voilà. Voilà. Parce que toi. Voilà. Peut-être toi, tu es sincère dans ta foi, donc tu dis, ah, voilà quelqu'un que Dieu m'envoie pour m'accompagner dans mon cheminement avec Dieu. Donc, tu lui donnes tout ce respect-là en fonction de la mission que tu lui donnes, la mission que dans laquelle tu le vois, lui. Mm-hmm. Alors que dans les faits, il n'est pas dans cette mission-là.
Mais pas du tout. C'est quelqu'un qui se cherche comme toi. Mais là, lui, il a choisi son créneau. Peut-être que toi, tu es boulanger, tu t'es formé, boulanger, c'est dans ça que tu nourris ta famille. Lui aussi, il s'est formé en théologie, c'est dans ça qu'il nourrit sa famille. C'est aussi simple que ça. Voilà, je te laisse continuer. Mais dans la réalité, il ne fait absolument rien en fonction de sa foi. Parce que il a la foi en Dieu. Lui qui est le patron de l'église, ou bien le patron de la mosquée, ou bien le patron de je sais pas, le patron de cette entité spirituelle-là. Mais on dit la vérité. Défends le plus faible. Défends la veuve et l'orphelin. Ça, là, c'est écrit. Défends la veuve et l'orphelin. Mais il y a plein de veuves et d'orphelins. Il y a plein de gens qui sont faibles, qui souffrent des injustices de ceux qui sont au pouvoir. Mais quand tu vas voir, tu vas regarder les chefs là, ils sont souvent à la présidence en train de manger à midi là-bas, ou bien manger le soir, ou bien poser, ils reçoivent trucs. Même, c'est pire, le pire, c'est que c'est arrivé même chez nos chefs traditionnels. C'est encore pire. Tu vois des chefs traditionnels aujourd'hui qui ne sont plus, c'est-à-dire que, qui ont perdu toute crédibilité spirituelle parce qu'ils sont vendus. Incapables de dire la vérité, ils suivent le plus fort dans les âmes. Ils ne suivent pas les plus faibles. Ils s'en foutent des plus faibles. Au contraire, ils s'en vont prendre de l'argent chez les plus forts. Puis maintenant, ils sont payés en plus. Donc, ça veut dire que même les nominations, tout ça, là, maintenant, ça n'a plus rien de spirituel. C'est juste une histoire d'intérêt. Mon groupement d'intérêt. Votez pour moi. Mettez-moi là. Pour ça que je serai là. Vous allez manger aussi. Voilà la plaie. Voilà la plaie principale. La malédiction qui frappe l'Afrique et puis la colonie, voilà. C'est ça. Les gens, ils vendent leur âme pour de l'argent, pour des haricots, une poignée d'haricots. Poignée de haricots, ils vendent leur âme au diable. C'est-à-dire, il y a la carrière, il y a l'emploi et la carrière, et puis il y a la mission. La mission, la cause que tu défends. On a affaire à des gens qui ne sont pas engagés dans une cause, ils sont engagés dans leur carrière. Dans leur portefeuille. Ils sont engagés dans une carrière, voilà. Quand tu prends tous les fonctionnaires internationaux, représentants spéciaux de l'ONU pour Sierra Leone, représentants spéciaux pour l'ONU, diplomates qui font la médiation ici, voilà, pour ici, pour ça. C'est des intellectuels qui gèrent leur carrière. Mais voilà. Ils sont bien payés. Quand vous les voyez dans les avions, et puis maintenant, on met caméra devant eux, oh, c'est triste en Haïti, les Haïtiens sont en train de se battre, mais vraiment, on fait tout pour empêcher ça. Et puis vous les voyez dans les hélicoptères se balader au-dessus. Yo, les gars, ils ont un pactole qu'ils reçoivent par mois, ils ont des trucs, et eux, ils ne peuvent que s'enrichir que quand il y a la merde comme ça. Les gars n'ont pas compris ça encore. Les soi-disant, intervenants de l'humanitaire, machin, qui se promènent dans les pays où il y a les crises. C'est les crises qui les... C'est les crises qui les... Si dans tous les pays, il y avait la paix, ils allaient avoir quel travail. C'est fini. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font parmi eux? Il y a une race un peu pervers, c'est-à-dire des gens, entre guillemets, les gens neutres. Mm-hmm. Tu vois, tu le vois, il n'est pas mauvais. Il nous reste 10 minutes. Mm-hmm. Il ne fait rien de mal, mais c'est la neutralité. Il voit bien ce qui se fait, il se contente de faire son travail, d'empocher son salaire, c'est tout. Tu te demandes, mais attends, est-ce que lui-là, il n'a pas une capacité d'indignation? Est-ce qu'il va pas, il voit pas l'injustice dont tel camp est frappé? Non, lui, il vient, il fait son truc, c'est diplomate, il fait son rapport, il s'arrête là. C'est tout. Donc, il a son bien. Avant de partir en mission, il a son chèque, il a ses trucs. Donc, on dit oui, après une des dangers même, parce que où tu t'en bats là, il y a des problèmes là-bas, là, on sait jamais, donc je peux mourir. Donc, j'ai une prime en plus, mais je m'arrange pour ne pas mourir, quoi. Je vais toujours être dans les bons coins où il n'y a pas trop de dangers. Quand je reviens maintenant, je peux acheter la grosse voiture, la maison, machin, truc, en attendant qu'il y ait un conflit quelque part encore pour aller chercher encore le diet. Et les Nations Unies, l'Union africaine, l'UNICEF, tous ces trucs, les organisations que vous voyez que les gars ont créées là, c'est un gouffre à milliards de dollars pour payer des gens qui ne foutent rien dans le sens de la justice et de la paix dans le monde.
Ils ne vont que pour passer un peu les plaies dans les coins là, pour faire semblant, pour justifier l'argent qu'on leur donne. Je vous assure que personne ne regarde vraiment clairement, correctement, sincèrement leurs agissements. Hein. Personne. Les gars, faut attention à ça. Si tu vas en Côte d'Ivoire, tu vas voir l'UNICEF au plateau, tu vas voir le beau joli UNICEF là, mais rentre dans les bureaux là-bas pour savoir qu'est-ce que les gens font vraiment comme travail pour que la vie des enfants change, par exemple. Zéro. Ces gars-là, et puis de temps en temps, deux, trois enfants dans les villages, mais sinon, vraiment, sincèrement, là, par rapport aux besoins, par rapport à ce dont les gens, comment ça, ont besoin, là. Bon. Zéro. Mais par contre, les gars sont bien payés. Ils sont dans les bureaux climatisés. Ils ont des voitures de service, voitures de trucs. Vous pensez que les gars, là, ils sont là pour arranger les choses? Ben, s'ils arrangent tout, là, ils ne servent plus à rien. Donc, plus les problèmes dus, perdus, plus les gars, ils gagnent. Et plus les gens, ça change des années. Bon. On met une nouvelle personne qui remplace l'autre, un cousin, un frère, un oncle, un ceci, un cela. Puis les gars mangent l'argent tous les jours parce qu'ils se nourrissent de la sueur et du sang des autres. Bon, moi, j'ai une petite observation à faire. Oui, mon frère. Je n'ai jamais entendu au niveau de l'actualité française des activités du HCR, des activités. Pourtant, il y a des réfugiés en France. Ben c'est-à-dire, oui. La France même, il n'y a pas de réfugiés français, mais il y a des réfugiés d'autres pays en France. Oui. Vous voyez? Mais pourtant, en France, il y a des problèmes d'analphabétisme, la migration des Roms, quoi. L'UNESCO a du travail à faire, mais on n'entend jamais on voit jamais le travail de ces organisations-là dans les pays développés. C'est dans les pays sous-développés. Alors que ces organisations-là, ils ont un champ d'action mondial. Je veux dire que il n'est pas dit que l'UNESCO, c'est seulement en Afrique qu'il doit faire des trucs. Il n'est pas dit ça. En France, là, il y a des réfugiés syriens pour lesquels l'UNESCO aussi peut entreprendre des programmes d'action. Ouais. C'est étrange. C'est pas étrange, c'est du business. Voilà. C'est du business. À mon avis, toutes ces organisations internationales-là, c'est de creuser de recrutement de collabos. C'est-à-dire, c'est plus facile de prendre quelqu'un qui a travaillé à l'OMS et de puisqu'il est déjà dans le circuit, de le nommer représentant spécial des Nations Unies ici pour valider la politique des Occidentaux, quoi. C'est tout. Voilà. C'est un coin de formatage des gens. Voilà. Donc, si vous avez compris ça, là, et que vous voyez que le monde est en train de changer, le Mexique aujourd'hui dit aux États-Unis, on n'est pas vos esclaves. On n'est pas vos. Les gens parlent maintenant ouvertement. Ça veut dire qu'ils savent, quand un aveugle dit va te lapider, c'est que son pied est sur caillou. Aujourd'hui, là, un intellectuel africain ne peut plus tergiverser avec l'ancien monde. Soit l'ancien monde se corrige, commence à respecter les gens et commence à faire vraiment ce qu'il faut pour que nos collaborations soient égales, justes et claires, soit on va voir ailleurs. Il n'y a pas un intellectuel aujourd'hui qui va continuer de collaborer avec ces gens-là dans ce système injuste dans lequel nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce quoi je vais finir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, là, observez tous les intellos, les pseudo-machins, même ceux qui veulent devenir président demain, tout ça. Là. Observez leur langage. Écoutez bien ce qu'ils ont à dire. S'ils ne parlent pas de libération totale de l'Afrique, s'ils ne parlent pas de cette merde de CFA qu'on n'en veut plus, s'ils ne parlent pas de la présence de soldats étrangers chez nous, ne les écoutez même pas. Ne perdez même pas votre temps avec eux parce que ce ne sont pas des gens qui pourront vous défendre demain s'il y a quelque chose. Ils n'ont aucune conviction. Tout ce qu'ils ont, c'est la malice. Ils sont malins. Ouais. Ils vont essayer de vous blaguer pour avoir le pouvoir et demain continuer les mêmes conneries là, avec des gens qui sont affaiblis aujourd'hui. Alors que là, on a l'opportunité de tout changer. Soit l'Occident change, il nous respecte, soit il va se faire voir ailleurs. Point barre. Bonne journée, les gars. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine.